Le voilà. Oh, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à dire. Laissez-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix, là. Allons-y. La police, le terroriste, et puis quoi encore? Bonjour, monsieur Septime. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous n'avez pas l'air content de me revoir. Ah si, je suis ravi. Ravi. Il est ravi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quand le bienfaiteur de tout un peuple est entre les mains des tortionnaires, et par votre faute. Mais écoutez, monsieur Septime, il va falloir que vous répariez. Mais réparer quoi? C'est dans votre restaurant que notre président bien-aimé a été enlevé, si ou non? Ben oui, oui. Eh bien, chez nous, ça aurait suffi à vous faire fusiller. Ah non! Tentez votre chance, il n'a pas son billet. Aujourd'hui, jour de chance. Vida. Ne recommencez pas ça. Mais c'est pas de ma faute. Écoutez-moi bien maintenant. Ah, mais vous allez m'aider à retrouver ces chacals. Mais c'est toi qui vas faire sortir les loups de leur tanière. Je vous en supplie. Tu vas les provoquer. Ah. Tu vas dire aux journaux que tu les as vus, que tu le connais. Mais c'est pas vrai. Ça ne fait rien. Eux, les terroristes, ils croiront que c'est vrai. Mais ils voudront me tuer. Bien sûr, mais il faudra qu'ils se montrent pour te tuer. Ah. Alors on les agarre et on les fusille. Oui, on les agarre, on les fusille. Mais oui, on les fusille avant qu'ils ne te tuent. Puis me dis d'ici, me tue avant qu'on les fusille. Choisis. Ah. Ou c'est eux plus tard, ou c'est moi tout de suite. Ah, non, mais c'est. Ça, c'est le bouquet. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Écoutez... Quoi? Écoutez, si vous voulez, mademoiselle, on parlera de tout ça dans un endroit un peu plus tranquille. Où? Je ne sais pas, mais où... écoutez, venez donc dîner un de ces soirs dans mon restaurant. Non, pas un de ces soirs, ce soir.